Te voilà, pour la troisième fois face à moi. Oh, ne frise pas, espèce de tricheur. Meurs. Meurs. Voilà, respecte-moi. Bon, nous revoici dans The Elder Scrolls 2, Daggerfall, en mode Unity, avec l'amélioration graphique Dreams. Et nous venons de tuer ce vampire. Alors, je vais le retuer une troisième fois parce que ça a planté quand j'ai arrêté d'enregistrer la première partie de la série. Donc, je vais me le retaper. Ça va, et je vais l'exploser cette fois-ci. Il n'a même pas réussi à m'en coller une. Et ça, c'est plutôt pas mal. Et plusieurs chemins s'offrent à nous. Voyons ça. Alors, j'ai aucune idée d'où aller. Les donjons de Daggerfall sont immenses. Il y a de la flotte là. Ok. Et vous savez quoi? Je vais passer par là. Alors oui, mon personnage arrive à nager avec une immense armure de mithril. Ce n'est qu'un détail. Une porte s'offre à nous. Mais des bruits étranges s'en échappent. Ah! Des poissons carnassiers! Non! Foutez le camp, les poiscailles! Voilà. Vous êtes des bien gros poissons! Et vous gardez des bien bons trésors, semblerait-il. Voilà. Est-ce que je peux choper quelque chose sur leur cadavre? On va voir ça. Non. Non! Ici! Pas mal, des objets religieux, ça vaut de l'argent. On a une plateforme qui permettra à notre personnage de visiter un endroit encore ici inconnu. Ouais, mais je crois qu'on ne va pas le prendre parce que je pense que ça va oublier de mettre mon poids dans l'ancrage devant la porte d'entrée. Donc je vais remonter à la surface par là. Et au lieu de s'aventurer à la limite trop loin dans des chemins probables. Pour potentiellement, sachant la visuosité des missions principales, c'est fort à parier que c'est plutôt vers là qu'il faut que je me dirige. Parce que ceux qui connaissent le jeu comprennent ce que je veux dire. En règle générale, il faut passer par des petits recoins bien planqués, des passages secrets bien vicieux. Il faut faire attention où on met les pieds. Et bien faire attention à toute ouverture qui s'offre à nous. Recall. Encre, parfait. On va dormir un peu. Histoire de récupérer la magie. C'est parfait. On retourne là-bas. Comme ça, je suis à tracer jusqu'au bout. Et quitte à ce que ce soit un mauvais tracé, bon, bah, c'est pas grave. Au moins, on aura pu exclure ce passage-là. Même si généralement, il y a quand même des embranchements qui nous amènent à gauche, à droite. Ce sont de véritables labyrinthes, ce qui peut vite devenir chiant d'ailleurs, ça. Ça par contre, c'est pas toujours super. Alors, hop, le levier. Ah. Oh, des rats. Plein de rats. Une invasion. Foutez le camp, porteur de peste. Ouais, ouais. T'as l'air vénère, hein. Et tu ne peux rien face à mon épée vengeresse. Bah, dis donc, il y a des choses assez sympas dans ce fichu château. Par contre, il semblait qu'elle avait recruté des armées pour garder la zone, mais là, bon, ok, elle a recruté des vampires, mais oh. Oh bah déjà, qu'est-ce que je vous disais? Cette quête fut brève et rapide. C'est très étrange. Bon, allons lire ce qui est marqué sur cette... Oh là là! Bon, première page. Tea too long. Je ne sais pas ce que ça veut dire. My heart thought. Bon, on va dire qu'elle a mal au cœur, elle est triste. J'ai rien compris. Je vous jure que je ne comprends rien. Il y a plein de mots que je ne comprends pas.
pas tout compris. Désolé. C'est pas de l'anglais facile. C'est pas niveau début secondaire. Hein. Ouais. Moi, l'anglais, ça a jamais été mon fort. Bon, alors, est-ce que j'ai tout ce qu'il faut? Où est-ce qu'il faut que je retrouve d'autres. Bon, je ne sais pas s'il y a plusieurs lettres qui se baladent. Ou si j'ai accompli ma besogne. Il y avait un autre étage en bas. Hein. On va essayer de l'atteindre. On va juste être rapide. Hop là. Non, il y a juste le trésor. Je récupère ça. Je sauvegarde. Je passe par là. Méfions-nous de vilaines bébêtes rôdent dans les couloirs. Ça, c'est pas moi qui l'ai. Si, c'est moi qui l'ai. D'accord, on est déjà retourné au point de départ. Ouais, on va pas faire croire que c'est si facile de trouver la lettre. Hein. À mon avis, il y en a plusieurs qui sont dans la zone. Tu veux jouer à ça? Un boule de feu dans ta face. Vampire de pacotille. J'ai peur que je perde mon temps à tourner autour des salles comme ça. Mais en même temps, j'ai peur de faire un aller-retour gratuit parce que finalement, il y a plusieurs lettres. Et je vais encore un peu fouiller la zone et voir potentiellement s'il n'y a pas d'autres lettres qui traînent à gauche, à droite. Wow. Wow. Fireball. Montre-toi. Tu n'es pas morte. Ha! Ha! Médiocre! Oh! Vampirette! Vampirette. Par contre, j'ai presque plus de magie. Oh! Ça m'a fait peur. Bon! Niveau 16. Alors oui, j'ai déjà un stuff assez élevé alors que je ne suis que niveau 16. Donc j'ai eu bien avant le niveau 16. J'ai 5 points à m'attribuer. On va peut-être mettre ça un peu en force. Hein. Monter ça à 70, c'est peut-être mieux. L'endurance aussi, je pêche un peu en endurance. Je vais augmenter un peu mon endurance. Ça me paraît pas mal ça. Ça me paraît pas mal comme ça. J'ai aucune idée de s'il y a un niveau maximal dans ce jeu. Je re-sauvegarde pour être certain de ne pas à me planter. On n'est pas à l'abri d'un crash. Hein. Axiomerilis actuellement, c'est le logiciel que j'utilise pour enregistrer mes vidéos. Pour un pire, c'est pas vrai. Ça va mettre en conflit avec quasiment tous les jeux auxquels je joue. J'attends une mise à jour. Mais là, c'est une catastrophe. Paf. C'est pas vrai, mais vous êtes combien? Une armée de soldats. Hein. Une armée de soldats, la blague. Aïe. Elle m'a griffé. Ouais. Ouais, la belle-mère, elle était pas très catholique. Je vais me soigner un peu parce que là, ça pique. Parfait. Non, 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 tu m'auras pas comme ça. Non, c'est pas tranquille, je vais juste me soigner. Non, non, non. Tu sais que si tu me ressors ta sort, j'absorbe leur énergie et je deviens plus fort. Vampire de pacotille, meurs. Mais meurs. Je vais pas mourir, hein. Voilà, merci. Heureusement que je suis soigné, sinon j'étais foutu. Parfait. Il n'y a pas grand-chose à looter, les vampires. C'est un peu décevant vu votre difficulté. Ah non, ça pue l'arnaque. Ah! Toute seule, je crois pas. Oh, un vampire nul. Petit coup critique. Il y a un truc là.
je le vois. Être. Ah! Ah! Vite! Téléportation. J'ai réussi à prendre une partie du trésor. Sinon, j'étais trop lourd pour prendre le reste. Ah, le stress. Ah, mais ce donjon, c'est l'enfer. Ce donjon, c'est l'enfer. Ah, je poste une nouvelle encre. Faut que je redorme. Pas le choix, j'ai plus de magie. Et là, j'en ai vraiment besoin pour me battre contre des vampires. Ah non. Je t'ai vu! Vampirou! Oh, t'es vraiment vampirou, toi. Médiocre! Tes frères et sœurs étaient bien plus vénères que toi. On va passer par là. Est-ce qu'on passerait par cet endroit-là? Non, on va d'abord passer par là-bas. Petit cercueil. Ah, sympa. Un autel sacrificiel. Ah, il y a plein de briques que j'aime pas dans le coin. Oh non, mais il est trop grand. Il est trop grand ce donjon là, je suis déjà perdu. Qui c'est qui a foutu des troncs d'arbres au plein milieu du chemin? Non, mais toi, le vampire là. Ah, il l'a fait, il a ouvert. Ah! Mais t'es passé comment? Y a un trou entre toi et moi là. Non, 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 non. Non, mais c'est pas vrai. Heureusement que j'ai sauvegardé. Ah, je pensais l'avoir bait. Je pensais l'avoir bloqué, mais non. Oh là là, mais quel enfer. Ouais, je vais me barrer, hein. Je vais me barrer. On va partir du principe qu'il n'y a plus de, il n'y a plus d'autres lettres et puis basta, quoi, je me casse. Ah oui, le jeu ne pardonne pas. Hein. Ah non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 le fantôme de pacotille, mais non. J'ai compris, je quitte la ville, je reviendrai une fois que le soleil s'est levé. Mais ne me suis pas, fantôme. Tu as coquifié ta femme, je le sais. J'ai les preuves, j'ai les témoignages. Tu es maudit. Ton zigougui aurait dû rester dans sa braguette, même royale. Ta femme t'a maudit. C'est bon? Alors ici je peux me faire attaquer. Hein. Parfait. Au château. Oui, attends ma venue, laisse-moi passer. Ah. Le château de Daggerfall, beaucoup plus accueillant que ce vil donjon rempli de vampires. Alors, c'est très triste, pour être honnête, ce n'est pas du tout à ce que je m'attendais à ce que la lettre contienne. Enfin, je m'attendais pas à ce que la lettre contienne ce genre d'information. Pauvre Mini Sera. Tout le monde ici à la cour savait au sujet de son mari, et le dernier roi, Elisandus, a préféré le visage et les formes d'autres femmes. M'a laissé toujours de cacher l'évidence. Alors, sa loyauté envers Lysandus est aussi supérieure que sa loyauté envers l'empereur et ses pauvres petits-enfants. Ah, oui. Donc c'est ça, il y avait les paroles de l'orque là dans la lettre, j'ai pas trop compris. Semblerait-il qu'en plus de se faire cocufier, les orques, parce qu'il y a souvent une guerre entre les Bretons et les orques, ont massacré une partie de la famille royale, dont les héritiers. Donc les petits-enfants. Donc c'est vrai que c'est pas fou, fou hein, ça l'a rendu un peu folle tout ça. Ok, bon, elle semble satisfaite.
Et elle m'a donné de l'or. Ouais, bon, c'est pas grand chose, hein. N'importe quel vampire que j'ai tué avait plus d'or que ça. Bien, alors on a satisfait les besoins de la reine. Notre chère reine. D'ailleurs, est-ce que tu aurais quelque chose à me proposer? Est-ce que tu saurais si quelqu'un a du travail pour moi? Non, je ne sais pas. Est-ce que le roi a quelque chose pour moi? Non plus. Monseigneur, savez-vous où je peux trouver de l'emploi, du travail, quelque chose? Non. C'est le chômage à Daggerfall ou comment ça se passe? Je sais bien qu'il y a un fantôme vénère qui rôde dans vos rues la nuit, mais quand même, un peu de journée, on peut quand même bosser, non? Bon, c'est pas grave. On va se laisser ici pour cette seconde vidéo de The Elder Scrolls 2 Daggerfall. Elle fut assez courte, mais assez chaude. Ça, franchement, les vampires m'ont pas mal stressé. On se retrouve prochainement sans doute pour d'autres aventures avec le chevalier Balian, ce brave breton à sa, avec sa grande épée en deux mains, sa grosse armure, ses pouvoirs magiques magnifiques. Cet homme a pu la classe, même en 2D. Bref, n'oubliez pas de référencer la chaîne en mettant des likes, des commentaires, à partager la vidéo ou les autres vidéos également, pour pouvoir faire en sorte que l'algorithme YouTube me respecte un peu plus, parce qu'actuellement c'est la cata. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos sur la chaîne. Salut, bye bye.